Athlète ? Mais oui, à 81 ans, Serge Moisson est encore un athlète. Il joue deux fois par semaine pour son club de Landes, dans les championnats par équipe, tant dans les compétitions de la Fédération qu'en UFOLEP. Il est le vétéran le mieux classé en Auvergne et reste l'un des meilleurs joueurs de son club. C'est notre meilleur joueur en ce moment, hein, même. Hein, les autres le suivent un petit peu, mais enfin, il y a vraiment Serge et nous derrière, et de loin des fois. Un fidèle partenaire depuis de très très nombreuses années. C'est quelqu'un qui est très dévoué en plus, ne manque jamais un entraînement, essaye de faire un maximum de compétitions. Et je dois dire que depuis de nombreuses années, heureusement qu'on l'a dans l'équipe 1, parce qu'il nous a toujours amené de très bons matchs, nous a permis souvent de gagner. Comment vous définiriez votre jeu ? Ah, moi, c'est... ça dépend de l'adversaire. Hein. Vous vous adaptez à chaque fois ? Ben non, je défends. Beaucoup de poussettes ? Ouais. Serge n'est pas forcément impressionnant à voir jouer, mais il renvoie tout, ce qui a le don d'énerver ses adversaires. Et puis lors des entraînements, il n'hésite pas à prodiguer ses conseils aux jeunes joueurs du club. Tu remets la balle, tu n'attaques pas la première balle, tu la remets. Voilà. C'est lui qui m'a appris tous mes services et presque tous mes coups que je fais maintenant. Il est très fort, surtout pour son âge. C'est un super prof, quoi. J'ai pas d'autres mots, il est super. Et là, t'attaques. Voilà. Il écoute mieux qu'au début. Au début, il était foufou. Il tombait par terre, il s'enroulait. Hein oui. Les coupes et les médailles par équipe ou en individuel, il ne les compte plus. J'ai fait le championnat de France 10 fois, là. Et il y a une année, j'étais bien, c'était en 2011. J'étais en demi-finale. En vétéran. Dans quelques mois, Serge fêtera ses 82 ans et compte bien continuer à jouer encore longtemps.